Bon matin à tous, ici c'est Michael, bienvenue sur Gmite, votre chaîne dédiée aux jeux en ligne massivement multijoueurs et plus si affinités. Dans le cadre de cette émission, Bon Matin, nous allons nous mettre dans la peau d'un producteur qui reçoit une démo de jeu afin de juger la possibilité de financer la composition de ce jeu. Et donc aujourd'hui, on va regarder de plus près un MMO, supposément d'un studio indépendant du nom de Wonder MMO, et le jeu s'appelle Wonder, qu'on pourrait traduire par vagabond, celui qui erre, etc. D'accord, et vous comprendrez un peu plus cela en détail lorsqu'on va entrer dans le jeu. C'est annoncé comme un MMO d'exploration. Il n'y a ni combat ni PVP, tout ce qui est habituellement prérequis dans les jeux de ce type là. D'accord, alors donc on va au niveau des options, il faudra passer par le launcher. Enfin, quand vous lancez le jeu, il y a une petite fenêtre qui vous demande, bien entendu, les choix au niveau graphique, etc. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous pouvez choisir d'avoir quelque chose de très beau ou de très moche, dépendamment de votre ordinateur. Alors, donc, on va écrire notre nom ici. André. Et nous voilà. Alors, j'ai déjà découvert le jeu il y a quelques semaines et j'avais fait une espèce de live tweet de ma découverte. C'était assez particulier. Alors, déjà, la chose que je peux vous dire, c'est pas un MMO, en tout cas, pas la version que j'ai. Ok, le prix est de 25$ minimum, sinon vous pouvez aller jusqu'à 100$ avec des bonus qui vont avec. Et la version qu'on vous offre pour l'instant, c'est la version alpha. Bon, il présentera comme une version bêta, mais en fait, c'est vraiment alpha. Hein. Et vous allez le voir dans quelques instants. Alors, la partie MMO est inexistante pour l'instant, dans ma version. Parce qu'il y a une version PC, une version PlayStation 4. Et il me semble que c'est la version PS4 qu'on l'envoie sur le site web. Parce que les images sont assez belles. Et vous verrez qu'ici, c'est pas aussi bien réalisé que les images le font croire. D'accord? Alors, donc, qu'est-ce que je peux vous expliquer rapidement de ce que j'ai pu découvrir la dernière fois? C'est que vous êtes un arbre. Et la petite fleur que vous voyez. Attendez, je sais plus comment on fait pour. C'est pas grave. La petite fleur que vous voyez en bas à gauche, en fait, ça vous permet de changer de forme. Et. Attendez, je vais juste voir encore, c'est encore collé. Les touches. Donc, WSD pour se déplacer. Pour sauter, c'est avec espace. Je cherche comment on fait ça déjà. Attendez. Faut pas que je fasse n'importe quoi. Parce qu'une fois, j'avais fait bugger le jeu. Voilà, ok. Avec échappe, voilà, je peux interagir. Quand vous appuyez dessus, voici la forme que je peux avoir pour l'instant. Donc, la forme d'arbre. Au fur et à mesure de votre exploration, vous allez pouvoir acquérir d'autres facultés de transformation. Vous pouvez vous transformer en oiseau, en humanoïde, etc., etc. D'accord? En elfe, il me semble, d'après ce que j'ai pu voir sur les photos. Voilà. Mais c'est qu'il y a un raccourci clavier pour ça, mais je me souviens pas. Alors, c'est indiqué, hein. Bienvenue à Wonder. Appuyez sur Tab pour parler sur le canal de discussion. Appuyez sur M. Voilà, c'est ça, c'est M. Voilà, c'était M. Voilà. Et puis, c'est tout. Et puis, pour faire un double jump, pour décoller, en fait, il faut avec la barre d'espace deux fois, lorsque vous avez, bien entendu, la forme, on va dire, aérienne, je peux dire. Ok. Donc, voilà, ça donne. Alors, au niveau du moteur, c'est du Cry Engine, me semble. Version 4e génération, ou la 3 en tout cas. Là, c'est que ça donne, à peu près. Donc, on va explorer. Je vais pas trop vagabonder. En fait, je vais aller, comme je l'avais fait la dernière fois, hors ligne, pardon. Je vais plutôt aller chercher un portail, parce qu'on m'avait fait savoir qu'il faut aller découvrir un portail pour avoir la forme d'oiseau. Bon, il faut trouver. Parce que, pour l'instant, on n'a pas accès à la carte du monde, de l'île, on va dire. Et graphiquement, c'est pas aussi beau, hein. Le seul truc que j'ai pu voir, où c'est assez intéressant, c'est au niveau de l'eau, de la mer, enfin, de loin. Mais pour le reste, comme vous pouvez le voir ici, c'est mouais. Il y a un bug, c'est du CryEngine, hein. CryEngine, pardon. Hein. C'est mal exploité le moteur du jeu pour l'instant. Mais bon, on va considérer que c'est une version alpha. Et PC en plus, parce que la version PS4 est plus avancée. Du moins, d'après ce que le développeur m'a dit.
Oui, parce qu'une fois, à un moment donné, j'ai critiqué le fait que le jeu était pourri, alors que par rapport aux images qu'on montrait au niveau graphique. Parce que n'oubliez pas, c'est un jeu d'exploration. Donc, qu'est-ce qu'ont les caractéristiques d'un jeu d'exploration? C'est que le paysage doit être beau pour donner envie d'aller découvrir plus que cela. Et ensuite, il faut qu'il y ait, car bien entendu, des puzzles, des trucs à résoudre ici et là. Pour l'instant, j'ai encore rien découvert. Donc, on va regarder, bien entendu, au niveau graphique. Attendez, je me souviens bien, on peut faire de la première personne. Ok, c'est le maximum, là. Regardez la texture des arbres. Au moins, l'environnement est habité, on entend des oiseaux. Mais j'espère qu'on aura le temps de... que la vidéo sera assez longue pour vous montrer un peu la nuit. Les effets de nuit dans ce jeu sont risibles. Dans cette version-ci. Je vais prendre, comment dire, je vais accorder un bénéfice du doute au développeur quand il m'a répondu. En disant que la version PC que j'ai, en fait, auquel j'ai accès, est une vieille version, ils vont la mettre à jour bientôt. Ils ont le fichier que j'ai téléchargé. Parce que j'ai payé 25 dollars, c'est pour avoir une version, la pire des versions, en fait. C'est ridicule. Pas comme ça que je vais parler en bien du jeu, hein. Et vous encourager à l'acheter alors que non. De toute façon, tout ce qui est accès anticipé, faut que je vais attendre la version finale. Donc ça, c'est évite que vous soyez déçus. Ouais, effet de lumière, moins, c'est moyen. Surtout que j'ai vu un autre jeu à peu près dans le même style, où les gars ont mieux travaillé avec leur moteur pour faire quelque chose de beaucoup plus beau. On peut également courir avec Shift appuyé, mais bon, c'est un arbre. Hein. La question que je me pose, est-ce que c'est également un jeu de survie? Ça, je peux pas vous le dire. Son autre arbre, il n'a pas de flanc, il n'y a pas de barre, enfin, au niveau de l'interface, il n'y a rien qui indique qu'il faudrait que cet arbre puisse se nourrir, avec les nutriments bien entendu qui sont liés, qui sont spécifiques aux arbres. Mais bon, c'est pas aller se baigner dans du crottin, des trucs comme ça, pour récupérer du nitrate, d'azote et puis ce genre de choses-là. Ou aller dans l'eau, tiens, pourquoi pas. Non, là, c'est l'eau salée, donc c'est pas très indiqué pour les végétaux. En tout cas, pas de ce type-là. Hormis les végétaux marins. Mais de toute façon, dans ce jeu, on peut pas aller... quand vous êtes en forme d'arbre, vous pouvez pas aller dans l'eau. Vous êtes repoussé par le jeu, en fait. Ah, c'est ici que j'avais eu un petit bug. Alors, ce qui s'était passé... C'est que je m'étais rapproché de l'eau et comme le jeu justement interdit les arbres de s'en approcher, vous êtes comme re-téléporté. La nuit, c'est que j'étais contre le récif en fait ici. Et donc il n'arrivait pas. Non, en fait, à chaque fois qu'il me téléportait, je me retrouvais dans l'eau. Donc c'était ad vitam aeternam quoi. Ce qui fait que j'ai quitté le jeu parce que bon. Voilà, enfin. Mais on va éviter de le faire, hein. L'idée n'est pas là. C'est que je cherche justement de découvrir. Le fameux portail en question. Ah oui, je rappelle également comme détail par rapport à cette émission, c'est que le jeu a 30 minutes pour nous convaincre. D'accord? Bon, mais je peux déjà vous faire un petit spoil, comme on dit, vous révéler que non, il m'a pas convaincu dans la version que j'ai testée. Celle-ci, je veux dire. Pas du tout. Mais bon, j'ai déjà dépensé 25 dollars dessus. Mais ce n'est pas grave parce que moi, ces 25 dollars me seront remboursés. Donc, pas par la compagnie, mais par un autre processus. Ce sont des investissements que je fais. Contrairement au joueur qui est par défaut un consommateur, moi je suis plutôt un testeur. Donc ce qui fait que quand je dépense pour l'achat d'un jeu que je teste, cet argent-là m'est remboursé. C'est un peu comme une espèce d'assurance. Vous payez, ouais, c'est un peu comme l'assurance maladie, voilà. Avec qui vous payez la facture, mais votre assureur vous rembourse la somme dépensée. Donc c'est à peu près comme cela. Je ne donnerai pas les détails, mais c'est ainsi. Donc c'est pas trop grave pour moi de dépenser pour des jeux qui au final ne sont pas aussi intéressants qu'annoncés. Même si sur le papier c'est assez... Ça donnerait... C'est rêveur. Alors, de temps en temps vous allez tomber sur des petits... des pierres tombales en fait. Allez, c'est qui devant? Et quand vous cliquez dessus, et bien quand vous rapprochez... And these tiny fingers are very skilled at performing delicate tasks.
like making tools we'll need to construct our shelter. I never would have been able to braid vines into a rope or make an axe with branches instead of hands. However, one Oren can lift as much as 10 Hurrican, so there are benefits to either form. Alors, c'est ce que j'ai pu comprendre après, hein, parce que vu de, vous le voyez comme ça, parce que la raison je peux passer en vue à la première personne. Vous voyez la petite pierre là, qui est dans, voilà, dans le sable. Voilà. Alors, c'est elle qui parle. Pourquoi pas, hein? Nous sommes dans un monde fantastique. Alors, c'est tout à fait normal que les pierres tombent, baissent des FPS, excusez. Voilà, c'est bon. Alors, c'est tout à fait normal qu'une pierre tombale ait la capacité de parler votre langage. Et voilà, en anglais en plus. Et l'arbre également comprend l'anglais. Mais bon, tout soit-il, bon. Elle nous informe juste qu'il y a une des formes qui nous permettra de construire des outils. Pour pouvoir, bien entendu, enfin de fabriquer des outils qui nous permettront de fabriquer, enfin de construire nos bâtiments, etc. Ce qui est certain, c'est pas la forme d'arbre. Ah, peut-être qu'ici. Ah bah tiens, ah ouais, si, voilà, j'ai découvert. Ouais, parce qu'on reconnaît le symbole de la fleur, hein. Donc apparemment, j'aurai une nouvelle forme si je me pose dessus. Non. Bon. On va continuer, on va voir. Vous en trouverez beaucoup, hein, de ce genre de pierre tombale qui parle. Elle vous donnera des astuces ou vous informera de certaines choses qui pourront être utiles. Bon. Qu'est-ce que je suis censé faire? J'essaie de cliquer. Non. Ah ouais, ça c'est quand vous voulez, enfin, avec espace, ça vous permet d'interagir avec l'interface. Là, sûrement, bien entendu, vous pouvez voir votre personnage se déplacer de manière un peu plus visible. Et il fait de moonwalk en plus. C'est mal fait, hein. Ouais, ils ont mal exploité le moteur. Parce que là, il fait le moonwalk. Bon, merci pour la petite dédicace pour Michael Jackson. Mais bon, c'est pas là l'idée. Il est censé reculer vraiment et non pas faire le moonwalk. Quoique dans les deux cas. Alors, la question c'est comment acquérir justement l'autre forme dont elle a parlé. Est-ce que je vois autre chose ici? Ah, peut-être que ça me permettra d'aller sur la petite île là-bas. Ok, bon, on va essayer de suivre le chemin. Ouais, il n'y a pas les options de contrôle du volume, donc je suis passé par Windows et je pense que j'ai un peu trop baissé. Parce que les bruitages sont bien ajustés, mais par contre les voix, c'est pas vraiment ça. Vous entendez un chant, n'est-ce pas? J'essaierai d'augmenter ça lorsque je fais la production. Oui, c'est une pierre tombale hein, qui chante. Je sais pas si ce sont des marques, en fait, plus tard, ils vont rajouter des PNJ vraiment pour pouvoir parler, mais pour l'instant... Voilà. Je suis une Voilà. Donc, j'ai eu l'autre forme. Une espèce de... Alors, je précise que c'est un studio australien. Donc, cet animal, je sais que c'est un animal australien. Je peux pas vous dire c'est quoi le nom. Une espèce de chien sauvage, un truc comme ça. C'est pas le... Comment on appelle ça? C'est pas le diable de Tasmanie? Peut-être. Voilà, j'ai deux formes ici. Là, on dirait une grenouille. Mais il n'a pas l'air d'être une grenouille. Bon, apparemment, ici, je ne peux qu'être... qu'avoir cette forme-là. Voilà, bon. Moi, vous voyez comment... C'est quoi le processus, hein? Y a pas de montre à citer, il n'y a pas de formule magique, c'est approchez-vous juste et puis vous êtes transformé. Alors, c'est censé me faire quoi? Ben, c'est toujours encore j'imagine, d'explorer encore mieux les endroits, parce qu'après ce que j'ai pu apprendre, après mes live tweets, mes messages sur Twitter par rapport à ma découverte du jeu, c'est qu'il y a certaines formes qui vous permettent d'aller dans des endroits inaccessibles. Comme par exemple dans l'eau, l'arbre, comme je vous l'ai mentionné, ne peut pas y aller. Donc, il faut bien entendu une forme de poisson, un truc comme ça. Lui, je ne sais pas s'il peut aller dans l'eau. Et j'espère que ça ne va pas bugger. Ce serait du style. Hein. Essayons.
Non, voilà, c'est ça qui arrive justement avec l'arbre. Boum, voilà, je suis pas censé aller dans l'eau. Et regardez-moi ces histoires. Bon, c'est Alpha, hein. C'est incroyable quand même qu'on fasse... Bon, de toute façon, les joueurs sont idiots. Donc ça, c'est connu, donc il n'y a pas de souci. C'est pour ça qu'on vous fasse payer l'argent, la somme complète pour une version aussi buggée. Mais bon, c'est un autre débat, on va pas le faire ici. Alors, donc, la question qu'on doit plutôt se poser, c'est qu'est-ce que je peux faire de différent avec cette forme-là que je ne peux pas le faire avec l'arbre. Enfin, c'est ça qui est important, n'est-ce pas? Alors, bon, déjà, il ne peut pas sauter. Ok. Bon, c'est vrai que ses cuisses ne sont pas aussi énormes. Pas, sont pas vraiment énormes. T'es sérieux que tu peux pas... Ça veut dire par là que je peux pas retourner. Attendez. Peut-être avec lui, je peux... Bon. Oubliez ça. J'ai coincé. Oh, c'est bon. Oh my god. Bon, je pense que l'idéal serait de trouver la forme d'oiseau. D'accord? Ce serait beaucoup plus pratique pour voir le paysage d'en haut. Et peut-être découvrir un peu plus rapidement les autres formes. Parce que, apparemment, on est ici, c'est juste pour se... Attends, quelque chose ici, on peut faire autre chose, non? Ok, c'est avec le bouton gauche, hein. Bouton droit. Ok. Même les mouvements, quoi. Damn. Bon, on va supposer que c'est leur premier jeu. Le plus drôle, c'est que les gars, ils annoncent ça comme un MMO. Bon, déjà là, comme je l'ai dit un peu plus tôt, cette version, c'est pas un MMO, hein. C'est une version hors ligne, solo. Il n'y a pas eu de liste de serveurs, il n'y a rien du tout, donc... N'attendez pas à la jouer un MMO. Ok, en tout cas pas dans cette version. Et je peux même pas vous dire comment jouer en multijoueur, même inviter des gens. J'ai vu une vidéo où il y avait deux personnes qui jouaient dans le même client. Enfin, en tout cas, ils jouent ensemble. Et donc... C'est sûrement une version console, j'imagine. Ouais, là, je vais essayer de revenir sur mes pas. Si c'est possible. Ah, c'est possible. Ok. Bon. Que l'arbre ne sache pas nager, je peux comprendre cela. Mais n'oublions pas que c'est un arbre. Il a possibilité de flotter, comme les billes de que. Les billes d'arbre, quoi, sur l'eau. Bon, ils n'ont pas pensé à cela. Lui, c'est un espèce de chien sauvage. Et les chiens, on sait bien, savent nager. Ok? Comme les chevaux, etc. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont... Bon, parce que là, il faut que je quitte de là, hein. Sinon, je vais arrêter la vidéo, là. Ça devient ridicule, franchement. Ok? Bon. Parce qu'il faut lui trouver un moyen de quitter de là. Ok. Parce que apparemment ça c'est trop haut pour lui. À moins d'utiliser un peu, être une espèce d'équilibriste, voilà. On va passer comme ça. Voilà. Ici. On tombe pas, voilà, comme ça. C'est ridicule, hein, vous comprenez, c'est ridicule. Ok. Ici. Voilà, non pas, tombe pas, tombe pas, voilà. Avance encore, voilà. Voilà. Voilà, avance, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Vas-y. Voilà. Et là, je pense que tu peux. T'as une bonne hauteur pour. Voilà, oui. Merci, merci pour les applaudissements. Merci, merci, merci. Ok. Bon, maintenant on peut sortir de là. Quelle bravoure, ce chien. Voilà, c'est bon. Non, que de bravoure, voilà. Voilà, donc on va retourner. Et puis, là, j'ai l'impression qu'il se dépasse un peu plus vite que l'arbre. Enfin, si on arrive à s'en sortir, parce que on a bien compris que voilà, c'est bon. Non, là, c'est trop haut pour toi maintenant là. Alors, comment on va faire ça?
Ah, peut-être que là, je peux t'apprendre ma forme d'arbre. Voilà. Beaucoup mieux. Allez, let's go. Bon, tiens, on va sauter, comme ça, il va nous téléporter juste sur la plage. Voilà. Alors, donc, en fait, vous arrivez à peu près jusqu'au genou. Et ensuite, on vous téléporte. Je vais faire juste, voilà, comme ça. Ça permettra de mieux voir. Voilà, vous voyez. TP, tout de suite, en arrière. Parce qu'il n'est pas censé aller plus loin que ça. Boum, TP, 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 TP. Voilà. Pourquoi? Je n'en sais rien. J'ai leur design. Ils ont décidé que non, les arbres ne peuvent pas y aller. C'est tout. Tant qu'à faire. Allez, donc on va prendre l'autre. Et on va essayer de se déplacer un peu plus vite. J'ai l'impression, hein. Ah oui, chouette. Comme ça, je vais vous montrer comment ils ont conçu, enfin, leur idée de la nuit dans leur jeu. Ouais, c'est bug. Regardez, c'est alpha, n'oubliez pas. En bas à gauche, là. Bon, déjà, au niveau de la couleur. Ah, en plus, le soleil se couche assez rapidement. Ok, ah, déjà, au niveau de la couleur. Là, on voit que c'est un peu jaunâtre, d'accord? Mais le soleil, il est toujours aussi blanc. On voit même pas, on voit juste la lueur, en fait. Non, ils exploitent vraiment mal son moteur de jeu. C'est incroyable. On va continuer à explorer. On va juste éviter d'aller dans les récifs, sinon on pourra pas revenir. Oui, ça a l'air ennuyant. Et je vous confirme cela. Je veux dire, le côté exploration, ça fait penser un peu au film de Indiana Jones. Quand vous étiez archéologue, n'est-ce pas? Ça, cela, votre métier, votre activité censé vous demande d'explorer plusieurs régions, zones, etc. Mais généralement, vous espérez quand même rencontrer du monde, n'est-ce pas? Non pas de vous retrouver dans une île déserte. Enfin, plusieurs îles en plus. Et ça va être assez chiant très rapidement. Ah, ah ouais, c'est vrai, les candidats. On voit aussi s'il fait le moonwalk. Ouais, ils ont mal travaillé le recul des personnages. C'est très amateur. Bon, c'est vrai, c'est studio indépendant, mais est-ce qu'indépendant veut dire par là qu'au niveau de l'exécution, ça doit être aussi amateur que cela? Comme si c'était la première fois qu'il faisait cela, quoi. C'est pas très réaliste, hein. En fait, c'est le... Non, comment? Au niveau du déplacement, c'est le même procédé mécanique. En fait, il avance, mais pour faire quoi qu'il recule? On le fait avancer en reculant. Alors, regardez, ce sont les mêmes mouvements que quand il avance ou que, attendez. Ouais, c'est juste de bien vous mettre la caméra. Même quand il va à gauche, hein, c'est le même mouvement mécanique quand il avance. Attendez. Il recule, qu'il passe, qu'il aille à gauche, à droite. C'est la même chose. Franchement, il faut qu'il retravaille ça. Le plus drôle dans tout ça, c'est qu'il y a des gens, j'ai vu des commentaires positifs sur le jeu, venant de sites indépendants, etc., quoi, qui ont applaudi vraiment le jeu par rapport à la version qu'ils avaient testé, etc. J'ai dit, waouh, quelle version que vous avez testé pour glorifier le jeu de cette manière, quoi. En tout cas, c'est pas cette version-ci, c'est certain. Je le répète, hein, le développeur m'a dit, non, c'est pas la version que tu as, c'est une vieille version, tout ça, machin. Et, ouais, mais quand même, si tu veux que je... Parlant bien de ton jeu, je pense que t'es utilisé de la mauvaise manière. Donc c'est pour ça que je vous en parle maintenant. Et lorsqu'ils vont sortir une version plus récente, ben on le découvrira en même temps. Et donc je ferai une partie 2, d'accord? Ça vous dit? Pouvoir avoir une idée vraiment un peu plus, on va dire pas réelle, mais bon, actuelle, voilà, une idée actuelle de la version du jeu. Parce que celle-ci, voilà les histoires de, voilà, les effets de nuit. Alors, d'après leur concept, quand il fait nuit dans cette partie du monde, ou de leur univers, c'est que le sol est tout noir, mais en haut, tout est éclairé. Ouais, bon, vous me direz, je fais pas vraiment nuit, regarde, le ciel est tout ouvert. Bah, dans quelques minutes, vous verrez. Regardez comment le sol est tout sombre.
En haut, c'est bien éclairé, nickel. Relax, peace and love. C'est pas qui gère la gestion des couleurs, les effets en tout cas. Il y a encore du travail, hein. Du gros travail. Donc pour l'instant, c'est du vagabondage. Ou de l'exploration. Mais bon. On va bien découvrir autre chose. Mais quand il fait aussi noir, oubliez ça. On voit rien. Sérieux. En plus, on voit même pas le soleil, hein. On voit juste la lueur. Pas de soleil, pas le cercle ou la sphère, etc. On va essayer d'aller au centre de l'île, hein. Peut-être qu'on va découvrir quelque chose d'intéressant. Voilà, je pense que c'est bon. Je pense, hein. Ouais, c'est ça. Oh. Ok. C'est ça qu'on appelle se déplacer dans le noir, quoi. Ouais, ouais, ça, il fait, pour eux, il fait nuit. C'est comme ça que ça se passe quand il fait nuit. Tous les bâtiments sont sombres, sont noirs. Mais par contre, les arbres, nickel, quoi. Bon, ça devrait être par là, hein. Donc là, il serait temps de peut-être passer à l'arbre. Là, c'est en haut pour l'autre forme. L'idée, c'est de comment monter par là-bas. Je vais faire le tour comme ça. En haut. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et voilà. Forme d'elfe. Bon. Donc, d'après la pierre tombale, on est capable de construire le même bâtiment. Enfin, d'après ce que la pierre tombale a dit, c'est qu'ils avaient presque terminé le bâtiment, et puis il y a quelqu'un qui l'a escorté pour lui faire savoir qu'elle est également capable de faire la même chose ailleurs. Bon, je suppose que nous, on peut le faire. Wow. C'est ça son jump, toi? Ouais, ton saut. Très agile, d'accord, elf. Pas de raison que... Wow, ok. Bon, là, je pense qu'on va arrêter là, parce que de toute façon, il fait nuit. C'est vraiment la nuit noire. Sombre et obscure, comme diraient les inconnus. Ouais, elle, quand elle recule, c'est ça. Ok. Marche avant. Marche arrière. Et quand j'insiste un peu... Ah non, okay, apparemment elle fait le supérieur lorsque voilà, lorsqu'elle rencontre une paroi derrière, un obstacle. Bon, ici c'est difficile à voir puisque on ne voit rien. David. Bon, tu peux reculer au moins. T'es coincé. On est coincé, d'accord. On est coincé. Bon, on va arrêter là. Alors, tout de suite, je vous le dis, ne l'achetez pas, d'accord? Attendez la version finale que je vous ferai découvrir également dans une autre vidéo, une prochaine vidéo. Et après là, on pourra juger s'il est aussi intéressant que cela. Parce que pour l'instant, le jeu est médiocre dans sa réalisation. Le concept est intéressant. Jeu d'exploration, pas de combat, pas de PVP, pas de truc. Juste explorer, acquérir des pouvoirs, etc. Découvrir le monde, etc. Ok, j'aime bien l'idée. C'est assez rare, les MMO, entre guillemets, qui offrent ce concept-là. Mais au niveau de la réalisation, au niveau de l'exécution, c'est médiocre. C'est très amateur. Et quand je dis amateur, c'est carrément niveau étudiant, là. D'accord? Ce n'est rien de professionnel pour l'instant, ce qu'ils nous offrent, là. Et ils font payer aussi cher pour une version comme ça. Je trouve ça ridicule. Donc, moi... Donc, si on reprend le concept de mon émission, c'est-à-dire on est producteur, on reçoit une démo de jeu, et les développeurs souhaitent qu'on finance le développement de ce jeu. Et moi, je dirais direct, non. Soit vous revenez avec une meilleure version, qui est plus respectueuse de mon temps et de mon argent, soit alors, allez chercher quelqu'un d'autre, une autre personne à qui escroquer. Parce que là, pour l'instant, c'est de l'escroquerie. D'accord? Pour l'instant, c'est cela, dans cette version-ci.
Surtout qu'il y a une version plus récente, mais qui n'ont pas, mais ils n'ont pas encore compilé pour qu'on puisse y jouer. Mais on fait quand même payer $25 pour ça. Tandis que la version PS4, ou c'est pas la version qu'ils ont montrée dans les conventions, est beaucoup plus avancée. Donc je comprends pas c'est quoi leur idée derrière tout cela. Ils n'étaient pas satisfaits ou... En tout cas, bref, pour l'instant, non. Voilà, c'est refusé. Demande de budget, un truc comme ça, je mettrai un tampon là, bam, refusé. Revenez plus tard. Voilà, comme vous aurez quelque chose de beaucoup mieux. Surtout que pour le même prix, il y a des jeux meilleurs, mieux avancés, qui sont également en alpha. Je vous en parlerai dans une autre émission, enfin dans un autre numéro de Bon Matin. D'accord? Alors donc, on se retrouve une prochaine fois. Merci d'avoir pris la patience de découvrir ce jeu via mon impression, via cette vidéo également. Et je pense que votre conclusion sera identique à la mienne à ce niveau-ci de la version de ce jeu qui s'appelle Wonder et qui paraît-il est un MMO, ce qui n'est pas le cas également. D'accord. Alors donc merci d'avoir été patient pour d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve une prochaine fois. D'ici là, prenez soin de vous, amusez-vous bien et comme d'habitude, n'encouragez pas la médiocrité comme cette version du jeu. Ciao ciao et bonne année. We'll be right back.